Bonjour, j'ai aimé ce livre. Martin Heidegger, Être et temps. L'homme est pensé comme sujet. L'essence de l'homme se détermine à partir de la vérité de l'être. Toute question est une recherche. L'être est l'être de l'étant. L'être réside dans la réalité. L'être doit être compris par le temps et ne peut être saisi que dans la perspective du temps. Le sens de l'être dans son accomplissement se comprend comme historique. La phénoménologie est le mode d'accès à ce qui doit devenir le thème de l'ontologie. Elle est la méthode qui permet de déterminer cet objet en le légitimant. La question du sens de l'être est la plus universelle, car elle contient la possibilité de se concrétiser dans un être là, individuel. La substance est un étant qui est tel qu'il n'a besoin d'aucun autre étant pour être. L'être là se comprend à partir de son monde et la coexistence des autres. Toute orientation se présente comme une modification existentielle du projet considéré dans sa totalité. L'être là projette son être en visant ses possibilités. La philosophie a de tout temps composé la vérité et l'être. L'être vrai, la vérité de l'énoncé, doit être compris comme être découvrant, mode d'être de l'être là contre l'apparence. L'être de la vérité est originellement lié à l'être là. Martin Heidegger, Être et temps. Lisez-le. Merci.